Lorsqu'on parle de J. Perry, très vite le mot « hit » nous revient à l'esprit. Depuis 2010, l'artiste s'évertue à donner le meilleur de lui-même, que ce soit en solo, en duo ou encore en trio. Trio pour quelle raison? L'auteur d'Abba Blabla, invité sur ce titre, le chanteur B.I.C., le producteur Gardy Giraud et le Guadeloupéen Admiralty. Mais J. Perry, c'est aussi un artiste qui peut se produire autant en acoustique qu'en full band. Et pour ça, il s'entoure depuis quelques temps du groupe Acoustique, emmené par les chanteurs Joël et Edler. Une formule qui pour l'instant a porté fruit. Va-t-on les retrouver sur son prochain album? Et d'ailleurs, son prochain album, c'est pour quand? Tout de suite, Showtime TV Haïti reçoit J. Perry pour le grand format de la semaine. Finalement, nous avons une vidéo parce que les fanatiques sont prêts à courir d'eux et pour vidéo ça. Donc, et moi très content, très excité parce que tout le monde satisfait la vidéo. Et jusqu'à présent, le feedback là vraiment positif. Et donc, moi pense que. Moi, j'ai peur parce que le fait que la musique là ait un bon succès quand même. Moi, j'ai toujours peur pour me dire est-ce que la vidéo a autant de succès que la musique là. Vous comprenez, est-ce qu'il y a sur le même niveau? Et moi, très satisfait et de résultats. Donc, moi, pense que. Et moi, bien content que les fanatiques sont contents. Et ma, c'est sûr, je remercie tout le staff et qui a fait partie de la vidéo pour, faire, pour réaliser une belle vidéo. Ça. Donc, et puis c'est ça, et qu'on y a, nous allons faire promotion pour pousser la musique là. Nous pensons que nous faisons une bonne équipe et dans la musique là. Moi-même, Admiralty, B.I.C., Go. Monsieur humble, ça veut dire que monsieur pas prend pause comme si que monsieur son superstar, pas qu'on on. Donc là, nous te faire rencontre là, nous te vraiment et faire amis. Donc nous kembe contact. Et pendant nous étions dans croisière Zumba était organisé en croisière qui était fait un campé là-bas, côté que nous avons fait un gros concert avec Machel Montano, Alison Hines, moi-même et Timmy qui Admiral, nous avons un paquet d'artistes, nous avons fait un bel concert pour Zumba dans là-bas. Donc pendant nous sommes sur bateau, moi j'ai fait Admiral tande Abba Blabla, tande musique là. Et donc, comme artiste, et monsieur, pendant la musique là, t'as joué, monsieur est inspiré, monsieur content, lire mes musiques là, et puis monsieur commence à laguer, monsieur dit, ah, que faut qu'ils font un remix ensemble quand même. Donc, et puis c'est comme ça le fait. Et donc, c'est pas tant rien de planifier, de nous pas réfléchir. C'est deux artistes qui ont mis cap vibe, et puis, connexion en fait, bagarre la fête. Donc, et moi, voyez, instrumental là pour monsieur avec Acapella. Monsieur voyez bah là un moment et je pense que monsieur bien lagué sur la musique là. Admiral c'est Admiral. Donc c'est sa histoire. Bauli Records, Call Fred, Joe Mignon, manager. Et nous en équipe, nous accompli en pile bagaille déjà. Et que on les bol te ka fait, c'est sûr, mais nous-mêmes en nous-mêmes là en équipe ça nous déjà accompli en pile et penser que nous parer pour accomplir beaucoup plus. Donc et dans monde musical là il changer en pile monde musical là pas même gens avec avant côté que est vraiment ou t'es vraiment artiste et t'es dépendant son on label kounia moi plus penser que artiste en général et équipe y a beaucoup plus chance et faire le monde entendre des musiques à travers les réseaux sociaux et sur YouTube, Instagram et tout bah ça. Donc je pense que déjà avec l'équipe là nous accompli en pile, je pense que nous allons continuer et nous gain aussi des labels qui intéressés travailler avec nous, mais nous pas courir sous rien. Ça veut dire nous assez confiants dans tête nous et dans travail que nous fait déjà et que nous comptons ça chercher, vous comprenez? Et je pense que l'important en pile pour ou qu'on valeur qu'on gagne. Donc je pense que le travail nous fait et n'a goumé pour lui, n'a goumé pour ça n'a chercher surtout. Et nous comptons ça n'a chercher. Et même
et Joël LDR, non, nous était toutes sous stage Jean et nous belle ambiance tombée, Keke était passé jouer guitare et donc vraiment Medji impossible. Donc nous-mêmes en tant que musicien depuis nous ouais une lot c'est nous tant que des petits monde. Au compte les petits monde rencontrer nos amis et puis jouer ensemble. Mais nous-mêmes en musicien depuis nous rencontrer c'est tant que des petits monde, ça veut dire musique. C'est musique qui peut pas jouer, une musique qui peut pas tomber parce que et relation c'est qu'on s'allie et c'est comme ça que inspiration et tout yo dégager parce que nous pas planifier rien. C'est juste que bagaille yo ça veut et comment on dit ça? Zami tia li mutuel. Ça va des deux côtés. Ouais, exactement. Mais justement où t'es font featuring avec yo qui est compliqué. Ouais. Parlez-moi de ça justement. Mais compliqué a justement son vibe côté que situation des pays a été t'es vraiment compliqué. Et pas pays a seulement le monde qu'on y a regardé bien et tout côté c'est pas Haïti seulement donc bagaille est compliqué et donc nous toujours vibe ensemble. Moi-même, Joël Elde. Donc, nous avons cherché en musique longtemps. Donc, nous rencontrons dans le studio, prenons notre vibe, et puis sujet à lever, et puis boum, musique l'en fait. Et nous mixons. Et nous sortons rapide parce que justement, la situation, et nous avons passé un moment tellement qui était compliqué, nous décider à on va musique l'en. Exactement, musique l'en, c'est ça que je voulais dire. Musique l'en voulait dire compliqué. Ça veut dire, bah, la compliquée, qu'on y a, la gueule, faut fanatique. Tandil en pile fois attitude qui tendance qu'un petit travail aucun de musique pour qu'on le lague et donc nous juste lague musique là nous gagne intention faire une vidéo pour lui et li pral sur album moi hein. Les fanatiques attendent l'album là donc pense que n'a pas de bonne nouvelle et qui artiste vous pensez nous qu'elle joindre sur l'album là en featuring bon c'est sûr et acoustique t'es avec compliqué qui sorti déjà. Et moi gain en musique avec Jimmy Cozier qui okay. C'est monsieur son américain jamaïcain ensemble qui est et monsieur écrit musique avec moi sur album ça et nous aussi collaborer okay. Et waouh bon regardez Abablabla BIC Admiralty Gordy Giro c'est Gordy Giro le producteur de cette musique oui ou... Gordy Giro et moi okay. nous tous les deux et Mwen voye un vibe pou Gordy. Gordy encore une fois tant que Timoun. Lè voye vibe là pour Gordy. Gordy content net. Et si m'pa trompé, monsieur t'a joué à l'étranger et monsieur commencé faire et monsieur commencé travailler sur musique là. Pendant monsieur était dans l'hôtel là, côté là dormi dans l'hôtel là, monsieur relé, monsieur dit "Djé, bon bagaille." Donc c'est m'a voué bah pour lui la voué bah moi et puis moi m'a Gordy parce que et nous font bon travail et Gordy sont vraiment son DJ et en producteur en pile monde plus well en tant que DJ Gordy Giro mais monsieur sont exactement ça veut dire monsieur sont producteur et qui fait cocaine chain beat monsieur en pile talent monsieur sont nèg tout et pas seulement et talent non mais et personnalité à tout monsieur sonne qui que me rempli respect pour lui et donc c'est album prévu pour le mois d'octobre pas vrai by date parce que nous connaît avec musique bah ça d'accord ouais mais octobre mais dit tête moi octobre tout pour me mettre pression tout. Équipe pamnan moi croire dans équipe moi et c'est ça seulement besoin croire c'est dans équipe moi avec fanatique moi yo reste moun yo m'pa même connait yo exister vous comprenez penser que en général et même le fait que monter moto tout m'te qu'on fait course moto en général dans n'importe qui artiste en général moun ka fait course ou bien athlète yo dit faut courir course pas là. Si vous regardez, pendant que vous regardez à droite à gauche, n'est qui devant,
Ils sont en train d'avancer. Oui, parce que nèg qui devant, pas gagne monde pour le garder. Parce que devant. Donc, je pense que l'équipe moyen n'a pas travaillé et c'est ça nous fait nous aimer ça n'a fait premièrement. Nous gagne discipline, nous gagne capacité là et j'aime tout à l'heure et pour jeune justement. Bagayo pour moi yo plus facile pour nous. Parce que musique là en général même pour faire musique là plus facile pour nous. Avant on t'ai besoin moi grand pile respect pour musicien avant yo parce que faire genre musique là t'es pour te faire musique ou t'ai besoin un paquet ça veut dire studio et pour enregistrer c'est live c'est kounyan et m'a regardé mon petit studio là quand moi le studio mais son laptop avec deux speakers avec anti contrôleur c'est tout. Donc moi pense que kounyan là dans monde ça d'ailleurs pas même besoin gain talent ou bien fan rien pour qu'a superstar avec YouTube là regardez gain des monde qui superstar sans yo pas fan rien comme si. Donc moi pense que jeunesse là surtout ça gain talent yo c'est fait soit faire parce qu'on aime faire premièrement sinon ou toujours gain tendance décourager et pas envie faire et continuer c'est persévérer dans ce qu'on fait et puis suivre bon bagaille ça veut dire pas suivre médiocrité suivre et prendre des artistes que qu'on aimait prendre des modèles des athlètes qu'on aimait suivre des bons exemples. Moi-même Takou et Jay Perry, Jonathan Perry avec éducation que moi recevoir moi-même là, moi connais ça qui bon, ça qui pas bon, mais ça c'est ça moi-même moi décider qui bon, ça qui pas bon. Donc m'a fait ça moi-même moi voulais faire. Vous comprenez? Et moi penser, moi réfléchir à justement et Timon de tout bail ça yo. Donc moi voulais bail bon exemple là et à fanatique moi yo. Mais moi pas qu'à juger et critiquer des autres artistes qui pas fait parce que c'est la vie quand y a des autres mon en tant que parent c'est pour contrôler qui sa petit ou à regarder qui ça le pas regarder qui exemple pour le prendre et pour le pas prendre parce que dans la vie en général a toujours gain le bon et le mauvais. Donc c'est pas comme si que ou ka éliminer mauvais non l'a toujours existé et justement parce que faut justement faire petit ou au courant que ça a bon ça a mauvais. Donc, jeunes artistes, il faut que nous apprenions pour nous connaître quel type de vie nous voulons vivre. Il faut que nous apprenions nous-mêmes qui ça nous voulons suivre comme exemple et qui ça nous pensons pour ne pas suivre comme exemple. Fais-moi écouter son Gaudi là. Oh, Gaudi est mauvais. Ah bon? Mauvais. Malade. Ça. Malade. Ne parlez, monsieur. Oh, bon, mauvais Jaco. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais. Regardez. Fais-moi ça. Gardez. Yo, Mick, I'm the man, Jay Perry. Well, this is another one. Choose. Pas
Nous mettez sel, joue nous fait connaître tous les touches.